Raffinia Trandouille a bientôt 70 ans. Hypochondriaque, elle a eu très, très peur du Covid, avant l'arrivée tant attendue du vaccin. Du coup, elle était une des premières à se faire piquer, avec l'AstraZeneca. Cependant, suite aux polémiques récurrentes sur ce vaccin, Raffinia décide alors de s'inscrire dans un autre centre pour se faire administrer, cette fois-ci, deux doses de Pfizer, jugées beaucoup plus sûres. Mais ce n'est pas tout. Par précaution, Raffinia change de région et s'inscrit dans un autre centre pour se faire inoculer le Moderna, au cas où. Puis, deux jours après, elle trouve un nouveau centre à Chichigneux pour le Janssen et un vaccinodrome à Mufflin pour le Johnson & Johnson. C'est sur Internet qu'elle se procurera ensuite le vaccin russe et le vaccin chinois. Raffinia est maintenant totalement rassurée. Elle a désormais fait tous les vaccins existants. Quid des effets secondaires? Aucun, selon elle. Quand nous l'avons retrouvée la semaine dernière, elle sortait de chez elle en pleine forme, partant à la recherche d'un pangolin mâle et d'une fourmilière.